Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Puis, vous pouvez dominer l'actualité dans le journal là. Est-ce qu'on peut péter nos rumblés qui t'a pas fait dans Port-au-Prince, dans la capitale VIA, en plusieurs secteurs politiques dans le pays, avec organisation populaire qui reprochait organisateurs qui a joué, jouette imbattable. Ça arrivait samedi 17 juillet 2021, dans le local Le Villat, dans Pétionville. Ancien Premier Dame République, Marie-Étienne Martine Moïse, retourné dans le pays d'Haïti, samedi 7 juillet 2021, pour venir assister à la cérémonie funéraille, défunt président de la République, Jovenel Moïse, qui était mort assassiné en Babal, un groupe mercenaire colombien, 7 juillet passé. 23 juillet, c'est date qui, 23 juillet, Capina, c'est date autorité dans le pays d'Haïti, dans tête collée avec famille défunt président choisi pour organiser funérailles Jovenel Moïse dans la métropole Nord Cap Haïtien. Une commission qui composait les différentes autorités dans le département Nord pays d'Haïti paraît pour planifier la cérémonie la mort président Jovenel Moïse. La signalé une commission nationale, 7 membres qui étaient en place depuis semaine passée dans la capitale pays en Port-au-Prince pour organiser funérailles président République Jovenel Moïse. Premier ministre Thibaut Tempé d'Haïti, Claude Joseph, rencontré avec la presse dans vendredi 16 juillet 2021, qu'on a déclaré que depuis l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021, le gouvernement baille tête li deux priorités, c'est organiser funérailles avec continuer à mener enquête sur le mort président, Jouk Nanboutli. Premier ministre, dit nouvelle qui fait croire que l'impliqué juste dans le coup, dans l'assassinat contre le président de la République, Jovenel Moïse, pas fait le paix et ça pas fait le fait back parce que c'est diversion fait sous enquête ça. En pile disposition déjà prend pour permettre d'organiser funérailles Jovenel Moïse 23 juillet 2021. Je connais déjà, c'est date qui vient pour chanter funérailles d'après ministre culture et communication Pradel Henriques. Entre temps, porte-parole Union Grenoble a reuni tout système des populations pour Chita avec toute partie politique qui est représentant l'administration publique là, pour gagner une solution à la crise qui a bouleversé le pays d'Haïti. Président PHTK, Lide Balthazar, dénonce l'assassinat du président Jovenel Moïse. M. Balthazar fait qu'on est toujours sous choc après l'assassinat et ça. D'après lui, le mort ça a représenté un signal clair pour montrer une faiblesse. Gros faiblesse qui est dans l'état pays d'Haïti. Il parlait de nécessité pour lumière capable de faire sous l'assassinat qui fait contre le président de la République et pour monde qui est coupable, capable de jouer justice. Dans le dossier éducation, sur un total de 59 568 candidats qui prennent participer dans l'examen 9e année fondamentale, sorti jeudi 19 juillet à privé 21 juillet 2021, Kavina. Namzou, parti politique, association populaire, avec même société civile, qui était réuni dans l'hôtel Le Villat pendant le week-end, pas arrivé à entendre ce document qui t'a dû signer pour débloquer la situation politique là, dans le pays d'Haïti. Militants politiques, t'es pété des blousailles, vos chaises, un peu le monde prend pas d'assouel, pour empêcher à quoi signer, à cause, d'après eux, il y a un pile bagaille qui pas clair en dans le texte là. Et puis, il y a des marches, un pile acteur à faire, pour qu'il y ait un pile gros baron PHTK dans le gouvernement provisoire, c'est là. D'après militants, Edith Dieu Bonnel, qui est un peu mauvais larron qui vient régler les affaires personnelles, qui n'a pas aucun rapport avec les affaires pays, dans le moment où on a fait dans la capitale pays à Port-au-Prince, dans l'hôtel Le Villat. Nous avons plutôt écouté un bout dans la déclaration Edi Dieu Bonnel, qui est membre en tête de peuple, qui fait partie du secteur démocratique et populaire. Nous sommes capables de plus passer une semaine, depuis que nous, même au niveau secteur démocratique et alliance PEP, nous avons une séance de travail avec une commission qui est là pour capable porter une solution à la haïtienne. Que nous-mêmes au niveau secteur démocratique, que nous-mêmes au niveau alliance, que nous-mêmes nous encourageons. Nous encourageons tout l'autre monde, tout l'autre groupe force vivante de la nation. Nous encourageons à rentrer, marcher dans l'initiative que la commission ça lui-même au niveau des sociétés civiles à mettre en campé. Mais nous venons arriver dans la route, que nous venons jouer, nous venons constater qu'il y a des mauvaises fois. Pourquoi ça me dit des mauvaises fois? Parce que ni dans la réserve, bon document qui a été doué bail, le bail document.
document a seulement 5 pages, document a 25 pages là-dedans, il a seulement 5 pages. Nous sortis la réserve, nous avons, je dis à faire nous 3 séances de travail qui là, là, on a fait là, dans les villages, il n'y a pas de document encore. Nous, hier, nous avons eu une conférence politique que nous faisons là, Hôtel Montana, qui est documenté, nous est signé. Et puisque il n'y a pas de document encore, c'est ça qui cause, qui fait séance politique, de conférence politique n'a pas fait. Nous avons regardé là, nous sortis l'article premier, en dans document, libéral fini, l'article 19. Sorti l'article 19, nous baguons 20 jusqu'à 62, libéral commence dans 62 pour venir dans 77. À mon grand étonnement, Magali Komode libéral dit nous que nous pas de temps corrigé l'article 20 au bout de 62, mais nous corrigé l'article 63 pour venir jusqu'à 70. Ça dit nous disons une incohérence grave. Ça veut dire nous, même au niveau politique là, et je nous ai mon affaire, c'est comme des capables de même les son initiative que nous-mêmes nous dit. Au niveau politique là, que nous applaudit à demain nous, mais c'est comme quoi que moi-même j'aime ça dire là, Magali Komode ni avec Ted, le bon bagage tout fait, non mais yo, parce que Jean-Magali a parlé avec nous, c'est comme si son monde tellement elle est en chef, mais ça quoi le fait là, parce qu'elle tellement bon mission là, mais elle mission qu'elle grand elle là, ni tellement elle est en bien livré mission, délivré mission, et bien parle à moun n'importe qui genre, mais nous-mêmes n'avons pas de respect, et n'avons pas de consensus, largement large, parce que aujourd'hui, nous même au niveau alliance pour le secteur démocratique là, nous avons plus passé 10 ans, n'a bataille en face régime PHTK. Mais aujourd'hui, on va pas vivre des gens qui prétendent que la société civile, l'on prend un gens comme Magali Komodeni, qui se représente à KO, et puis la dou il va dans la politique. Ou c'est membre du parti politique ou pas dans la politique. Ça veut dire ça. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous demandons tout le monde, nous demandons pour nous capables de nous consensus, largement large. Même gens qui ont demandé tête ensemble, même si c'est tête ensemble, tout nous demandé, mais nous demandons de respect pour le monde, parce que ça qui a fait là, nous besoin de solution, nous besoin de job. Tout le monde besoin de travail, mais ça ne va pas faire pour le job, nous faisons des choses pour le pays. Parce que aujourd'hui, si nous quittons, transition ça mal fait, mal organisé dans le pays, demain matin, nous même quand nous faisons politique dans le pays, même les affiches sous le fatra, même les problèmes, même les équipes, même les problèmes de sécurité, nous ne pouvons pas parler dans la politique là. On a écouté Edu Diobonel, qui c'est même Alliance Peuple, qui fait partie du secteur démocratique, qui t'a pris à agir sous Gode Blozaï, qui était dans Wumble, qui t'a organisé dans l'hôtel de Villat, côté parti politique, ensemble avec association populaire, mais avec société civile, hein, t'a fait Wumble ça, puis ouais, comment est capable de sortir avec une solution haïtienne pour capable, bah, payer à un gouvernement provisoire. Donc, à cause ça, pas arrivé signé, hein, je vous ai dit là, à cause de Gode Blozaï et Spombit, qui t'a pété en pile chaise, vous voyez, il y a un monde qui prend en pile patasouel, d'après première information qui sortit. Nous parler dans ce dossier funérailles président de la République là, Jovenel Moïse, mais nous avons retourné tout à l'heure dans le dossier politique là. Nous avons besoin de disposition déjà prend pour permettre organisation funérailles président de la République Jovenel Moïse dans la date 23 juillet 2021, hein, qui se date qui cambé pour chanter funérailles là. Et gagner ici une décision qui prend en tête collée entre autorités avec famille ancien chef d'État. D'après le Premier ministre Petit Bouton, Claude Joseph, qui croit que pour madame nan, qui déjà rentré dans le pays depuis samedi passé, pouvait assister à funérailles Marie-Li. D'après le ministre Culture et Communication, Pradel Henriques, autorité a bien pour publier une note qui a défini agenda funérailles président République Jovenel Moïse qui fixé la date 23 juillet 2021 pour la métropole Nord. En écoutez, Pradel Henriques, ministre de Communication à Culture et d'Haïti. Jeudi 16 juillet, je dis c'est vendredi, le comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté, hein, paraît avant hier, 14 juillet, le comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commençons le travail. Donc on a eu deux journées d'activité. Nous avons gagné une journée immédiatement après l'installation. Nous travaillons le 14, nous travaillons le 15. Nous faisons deux journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, il a été amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créer un comité exécutif en dedans et qui pour atterrir, pour atterrir toute décision qu'on va prendre. Donc, il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc, c'est des membres très opérationnels, très fonctionnels qui font partie de comité ça. Et puis, nous gagnons tout, il y a un cellule logistique qui, dans l'immédiat, supposé à faire évaluation. Site pour funérailles la fête. Peut-être que nous tout qui là, nous besoin qu'on ait un seul bagaille, mais avant de nous lever sur ce seul bagaille, nous besoin qu'on ait un, nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité, nous gagnons trois dates, et à partir de deux jours de travail, nous avons fait trois dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement de rendre hommage au président de la République.
de Jovenel Moïse qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais National qui a organisé au musée du Panthéon National. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille, et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi. Ce qui est assez paradoxal parce que nous avons battu mon décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020, et décret s'arrêté, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséance aux civiles et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020. Décret a été prévoit en ses articles, 32 et 36. Toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32.1, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même l'a dit, et ma plus gros, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit, les cérémonies publiques sont organisées sous l'instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués et invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous gagnons une note officielle qui a fixé officiellement date là à l'heure. Et Jean-Louis Granou, il peut voir dans l'écrit. Hein? Et nous-mêmes, on continue à faire travail. Nous gagnons au cellule logistique qui a fait aménagement pendant la palais là, sous site, espace. Et écoutez, funéraire à la fête, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous parler tout gouvernement là, parler tout ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagent pour bail président Jovenel Moïse, nous funérailles, comme ça doit, je le dis en tout cas, j'en ai débuté. On a écouté ministre culture avec communication pays d'Haïti, hein, Pradel Henriques, qui dit 23 juillet, capinance de l'autorité dans le pays d'Haïti, dans cette collée avec famille, défait président Jovenel Moïse, choisi pour organiser funérailles président dans métropole nord pays d'Haïti. Dans le temps, il y a une commission qui compose de différentes autorités dans le département nord, qui paraît pour planifier cérémonie la mort président Jovenel Moïse. N'a invité au côté, collaborateur nous, encore correspondant nous dans métropole nord, Jean-Claude Geoffroy, capoté précision. Coordonnateur Parti Populaire National dans nos pays, Darwin Saint-Julien déploré chirépite qui gagnait pour pouvoir entendre divers groupes partout dans l'État depuis après assassinat président Jovenel Moïse là. Dirigeant local PPN dit puisque mandat tout le monde qui a dirigé le pays, ça c'est fini, c'est un consensus qui doit trouver pour choisir un président provisoire et former un gouvernement qui doit gagner mission principale satisfaire revendication population. Darwin Saint-Julien. Nous autres au niveau Parti Populaire National, nous déplorons l'acte qui fait 7 juillet, qui la cause la mort et président de facto et Jovenel Moïse. Pas oublier que depuis 7 février 2021, donc le mandat Jovenel était fini. Mais ça qui vient arriver, c'est que c'est oligarchie même qui kembel et puis pour le mettre dans la situation ça. Donc il pas prendre décision qui était meilleure, qui était quitter pouvoir parce que son monde qui décrié en plus corruption, il y en a pas pour mentir pour pas tête. Nous le fait que yo assassiné de la façon ça que nous-mêmes nous condamner, ça pas nettoyer tout ça que Jovenel Moïse fait. Jovenel Moïse, tout massacre qui fait, il pas jamais dit rien. Journaliste mouri, assassiné, il pas dit rien et corruption qu'a fait dans l'administration, il pas dit rien. Gang a kidnappé monde, donc il pas jamais dit rien. Donc faut qu'il était attendre que et machine ça que lui-même lui instauré machine là t'es qu'à tourner contre lui donc c'est même machine ça qui tournait contre Jovenel donc qui s'est vint par une crise en Nouvelle-Guinée et nous pensons que il faut que secteur progressiste mettez tête en place. Bataille là, c'est pas bataille et pour aller dans le pouvoir qu'on y a, c'est bataille pour que pas gain continuité régime PHTK ça qui était dans toute corruption. En tout cas, Darwin Saint-Julien pas mettre de l'eau dans bouche li pour critiquer président Jovenel Moïse quoique li mouri. Li déclaré c'est à cause négligence li qui pas décidé goumen
fermement contre l'insécurité qui la cause jodi a lui-même tout perdit la vie dans condition imouria. Depuis Cap Haïtien, Jean-Claude Geffroy, Pyramide FM. Merci Jean-Claude Geffroy qui t'a parlé nous de situation qui gagne dans la crise politique là. Côté que je répète qui gagne dans divers acteurs. Mais on va retourner avec information, toujours avec Jean-Claude Geffroy, qui parle de nos commissions qui montaient pour planifier cérémonie funéraire président de la République là, Jovenel Moïse, dans la métropole Nord. En côté. Animé au conseil technique spécial à l'occasion pour préparatifs dans le cadre du funérailles chef de l'État haïtien ou un détail pour nous. Un résumé pour nous du conseil technique ça. Bon, normalement, nous prenons plaisir pour nous saluer la presse nationale et internationale et surtout la population dans le nord et qui vraiment recevoir funérailles nationales président de la République là, son excellence Jovenel Moïse. Qui était lâchement assassiné le jour 7 juillet 2021. Nous pensons que nous n'en avons non simplement nous dans une situation de choc, nous pas qu'à vraiment et jusqu'à présent gérer l'assassinat ça. Mais cependant, nous pas capable concentrer nous tout pour que nous rendions dernier hommage à président de la République là. Dans ce sens, nous sommes dirigeants du conseil technique côté nous prend ensemble de décisions. Donc, dans la semaine prochaine, nous avons déclaré semaine d'hommage à président Jovenel Moïse et nous avons pris plusieurs décisions. Donc, nous avons consacré mercredi, si Dieu veut, fonctionnement administration publique a fait en mi-journée. Et ensuite, nous avons pris jeudi à vendredi comme congé définitivement que l'administration publique n'a pas fonctionné. Et nous avons ensemble d'activités que nous avons fait. En mercredi, nous avons reçu une journée d'hommage dans la délégation, côté toute population qui a venu déposer jet de fleurs, qui a venu en dernier hommage à président de la République là. Et dit un mot, écrit un mot pour le président. En jeudi, nous avons bien plusieurs activités. Tant qu'on a bon messe dans la cathédrale Cap-Haïtien pour que nous inviter toute population, tout le monde qui estime qui écrit, nous calculer ça. Indigné, nous demandons que vous capable de participer dans la messe là. Et après la messe là, nous avons fait un marche au flambeau, côté nous avons fait lettre L, lettre A. Et tout de suite après marche au flambeau, nous avons fait un veillé patriotique sous place d'Amri 18 là. Côté nous avons rediffusé des documentaires, président de la République là. Il y a des leaders qui prennent la parole tout, d'une façon pour que nous consacrons un hommage à président de la République là. Et en vendredi, c'est le jour funéraire là, pour que les Cap-Haïtiens a recevoir, nous capable de dire tout pays, même la communauté internationale. Ça veut dire que le comportement de chaque citoyen et citoyenne pour doit gagner, pour conserver la paix, pour que l'activité et dérouler dans la tranquillité, dans l'ordre et dans la discipline. Et c'est cette façon ça nous capables de rendre vraiment un dernier hommage à président de la République là. De ce fait, je lance ce vibrant appel au calme, à la population du Nord, à tout le monde qui a pu participer, à tout le monde qui environne le président dernier hommage. Moi, je connais nous sous choc, mais il faut que nous gérer l'émotion pour que toute activité soit déroulée dans la paix, dans la tranquillité. Et n'a pas annoncé le comité départemental funéraire là demain et 3-4 heures parce que nous rencontre nous va le faire comité départemental là une façon pour que nous la presse a informé qui personnalité qui figure qui est dans le comité là. Et comme nous fin fait convocation nous fin fait nomination yo et première rencontre là a fait demain si Dieu veut à 3 heures là. On a écouté délégué départemental Noah Piero Augustin De Gaulle, lui-même qui t'a posé précision sous commission ça qui forme différentes autorités dans le département Nord pays d'Haïti pour capable organiser cérémonie funéraire président républicain Jovenel Moïse ou connecté Moïse assassiné la date 6 ou 8 7 juillet 2021 dans résidence privée dans Père de Rhin 5 côté un groupe mercenaire qui s'est colombien était entré tirer coup d'âme sur président cassé pour être lui pété deux graines jeudi. Fonni a coûté rache, il était cassé pied tout, cassé coude, donc c'est un véritable assassinat terrible qui était fait sous président de la République là, selon diverses photos, nous étions capables de voir
tourné en boucle sur les réseaux sociaux depuis semaine dernière là. N'a pas retourné dans le dossier politique là pour nous professeur José Mérilien, la guerre gode blousa qui pété dans le village là sous deux empile acteur qui veut retourner à régime PHTK sous pouvoir pour sur l'autre forme. José Mérilien qui fait partie commission cap travail sous accord fait qu'on est yo pral réunir pressé pour permettre de joindre un accord cap joindre bénédiction majorité nationale. Syndicaliste là t'es tout profité pour rejeter position corps groupe là qui appuie choix Ariel Henry comme premier ministre tout neuf pays d'Haïti. Il a annoncé mobilisation manche longue contre ingérence bureau intégré Nations Unies en Bini dans affaires politiques pays d'Haïti. José Mérilien était dans le micro journaliste. Hier, c'est une conférence politique qui a fini côté de l'accord de principe sur comment promouvoir l'équipe de bataille qui dépend de l'NBIA pour sortir de l'insécurité de là, pour faire placarder nos souffles. Et parce que par rapport à ce projet, il y a plus de projet parallèle, il y a des mecs qui vont d'accord pour que il y ait des crédibles, il y ait des crédibles qui prennent l'NBIA, il y a besoin de reproduire bien chacun encore avec des gardiens, système. Que c'est sous ces systèmes corrompus, ces systèmes gangs là. Et ça veut dire que les populations ont pagué pour baisser la voix. Nous devons nous mobiliser, et nous devons nous mobiliser, et que la commission, le comité d'appui, et tous les acteurs qui sont impliqués, ont venu rapidement pour nous finaliser la partie là, qui nous sommes en train d'accueillir pour sortir là. Et nous profiter, dénoncer, Bini, et comme encore Google, qui aussi a pas de pression, qui a parlé de pression pour le gouvernement. De quel droit? Donc, parce que, bien sûr, c'est nous-mêmes haïtiens qui jouons et prendre la charge pour le gouvernement. C'est pas Bini, c'est pas comme vous qui sont bonnes, d'ailleurs, bien organisées, que le pays qui jouent, d'ailleurs, après des vents pour lever campé et la semaine, il y a bien de mobilisation devant Bini, il y a bien dès demain, dans le cadre de conférence de presse, pour annoncer que c'est qu'on fait comme mobilisation pour essayer de payer pour les là et comme mobilisation, mais accord qui joue dedans, il y a appliqué. Professeur, mais qui est-ce qui a la base à jouer à ce militaire là? Donc, parce que, comme ce qu'a fait là, il est déjà pile. Parce que nous avons besoin de continuer avec PHK sur la forme. Vous pensez que nous connaissons comme pile là, qui déjà besoin pour le gouvernement, et nous voyons que la mafia est sur la derrière. Nous avons besoin d'Asie et croquer une équipe grande dans le coup de pays, pour le gouvernement grande. Vous dites que ça va passer. Et moi, c'est que c'est eux qui enlèvent là. On a écouté syndicaliste José Mérilien qui est membre du groupe ça qui a organisé rencontre pour joindre un accord national sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Donc il a réagi à cause après des blousailles qui pétaient dans le village et la gueule sur deux secteurs qui veulent retourner avec le régime PHTK sous pouvoir sur une autre forme. C'est comme ça José Mérilien a parlé d'annoncer une mobilisation parfaite contre le bureau intégré des Nations Unies dans le pays d'Haïti dans le jour cabinet. Avec dossier éducation, on a démarré deuxième tranche là. Pour 289 568 candidats pour participer à l'examen de l'année fondamentale à NESA, soit 19 juillet 2021, masque avec uniforme obligatoire pendant tout déroulement et épreuve et examen. Directeur général du ministère de l'éducation nationale à formation professionnelle, M. Méniol Jeune, fait connaître toute disposition déjà prend pour gagner 26 candidats dans chaque salle classe et pour faciliter l'examen. Ils ont réussite sur tout le territoire. Méniol Jeune, t'es dans le micro la presse. Nous allons gagner un examen officiel. Nous avons démarré avec trois catégories. D'abord, nous avons gagné la 9e année fondamentale, nous avons gagné ENI, École normale instituteur, et nous avons gagné CEF, Centre d'éducation familiale. Pour la 9e année fondamentale, il a commencé 19 et il a fini 21 juillet. Nous avons un total de 189 568 candidats. Pour ENI, École normale instituteur, a commencé 19 et a fini 23. Nous gagnons un total de 3305 candidats. Pour CEF, Centre d'éducation familiale, a commencé 19 et a fini 23 juillet. Nous gagnons un total de 366 candidats. 26 jusqu'au 29 juillet, nous avons gagné baccalauréat. Et puis, 30 juillet, nous avons gagné une épreuve anticipée de français
S3. Et dépendant mois août là, jusqu'au niveau 30, nous avons gagné l'examen qui concerne les professionnels. Nous voulons présenter différents conseils que nous avons gagné pour les candidats semaine qui vient là et aussi pour le baccalauréat. Premier conseil, mettez masque, c'est une obligation. Nous devons faire tout ça nous connaît pour nous respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, nous connaissons, c'est respecter les paramètres de distanciation, mettre masque et puis laver les mains. Nous croyons tout le monde connaît, nous avons une disposition, nous parmi ça, pour l'année passée, pour que ces 26 candidats nous gagnent dans sa vie et pour que ça nous réponde. Deuxième conseil, tout candidat qui a qu'un B qui a fait fraude, est bien compilé à annuler, et candidat ça capable pas qu'à participer dans l'examen pendant une période minimale. Les candidats doivent faire effort, doivent faire tout ce qui est possible pour ne pas voter pour, pour ne pas faire fraude, sinon il n'y a pas le pays en conséquence très néfaste. Troisième conseil, aucun candidat n'est pas capable d'entrer dans le centre d'examen avec ça. Quatrième, tout candidat qui vient dans l'examen semaine d'avenir et aussi pour candidat qui vient dans la semaine après, soit 26. Seulement candidat qui n'a pas le baccalauréat permanent, ça ne peut pas faire obligation qui n'est pas concerné par l'examen. Utiliser calculatrice programmable formellement interdit. Ça, c'était cinquième conseil. Sixième, les téléphones cellulaires sont formellement interdits dans les centres d'examen, sauf pour les responsables au besoin. Comme ça, l'usage du téléphone est interdit pour surveillants et aussi pour superviseurs. Septième conseil, tout candidat surpris en flagrant délit de fraude sera éliminé. Huitième conseil, toute personne surprise en flagrant délit de fraude aux abords et ou dans les centres d'examen sera mise aux arrêts et remise aux autorités judiciaires pour les suites légales. Neuvième conseil, il est interdit aux agents préposés à la sécurité des centres d'examen de pénétrer dans les salles d'examen. Enfin, dixième conseil, personne pas capable et accès dans un centre d'examen sans pas gagner une autorisation spéciale. On a écouté le directeur général du ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle, Mignol Jeune, qui a réagi sur l'examen qui pourra l'organiser à partir de jeudi et lundi 19 juillet pour le 21 juillet 2021 pour élèves 9e année fondamentale dans tout le pays d'Haïti. N'a pas tout le dossier politique là, pour n'a pas de questions enquête là, pour le premier ministre, enquête sur les assassinats qui fait contre premier ministre, contre le président de la République, Jovenel Moïse, n'a pas tout le premier ministre pour Thiboutan, Claude Joseph, avec toute équipe, minimiser information, journal colombien, Noticias Caracol, mettez dehors comme quoi l'État, yon principal auteur intellectuel, les assassinats qui fait sous ancien président de la République, Jovenel Moïse, dans date 6 à 7 juillet 2021. Docteur Claude Joseph dit son complot, moun qui assassine chef d'État, continue à mariner pour y bouiller pis, au cadre enquête qu'a fait sur la mort président Jovenel Moïse là. Soit il a assassiné lui, même genre avec président Jovenel Moïse, soit il quitté enquête là la poursuivre. Déclaration Claude Joseph qui fait qu'on est il pas fait bac dans la bataille à mener pour permettre président de la République Jovenel Moïse joindre justice. Nous avons vu d'un côté Claude Joseph qui devait déclaration ça yo nous rencontre avec la presse vendredi 16 juillet 2021. Mwen estime pa ke jounal e Noticias Caracol la li ta e pose lye pou li antre nan yon dinamik difamatoir. Par exemple, mwen men e Claude Joseph an novembre 2020 mba pou e minis. Aloske atik la sitem kon pou e minis novembre 2020 mba se ke sa se on la e pou moun e rojete. E answit sa ki important se ke la polis nasyonal avek la polis kolombienne rojete an blok et nous sommes capables de dire accusation ça. Mais ça qui est important, c'est que nous n'est pas déstabilisé. Parce que moi, c'est nous qui écrit, qui mandé pour le FBI pour nous jouer un support colombien. Nous n'est pas découragé, nous n'est pas déstabilisé. Complot à gros, il y a un pire monde là-dedans. Pas bouiller pis là, parce que moi-même c'est assassiné pour m'assassiner, ou bien pour qu'on là abouti. C'est ça seulement nous capable de dire. Enquête là pas abouti,
la Fabouti, si on veut assassiner, l'assassiner, mais si attaque sur caractère nous n'y a pas marché parce que nous faut assez. Et le président Maurice Duet, nous campons avec le conseil ministre, avec le secrétaire général. Jeudi, nous avançons. Nous ne pouvons pas assassiner le caractère, nous ne pouvons pas assassiner, mais nous avançons en quête de la Fabouti. Père Haïtien, nous-mêmes, quand gardons et tendons la moment, m'a dit nous, moins déterminé pour enquête l'avancée. Il y a pile diversion qu'a fait. Il y a pile piste. Il a tenté de bouiller pour pas jouer un bon résultat. Mais c'est preuve d'où nous sommes en route pour permettre le président de la justice. L'ennemi en pile. Complot à loup, mais nous pas fait ça. Nous pas fait ça. Assassin, te comprendre que tu as fini tout le président Jovenel, toute l'autre autorité t'a couru. Et puis vous-même, tu as bien temps. Temps pour effacer indices sur ces crimes et puis nettoyer avant de chaper pour lui. Bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à la vigilance police nationale, grâce à l'intelligence population, nous avons et nous prenons en pile dans lui, comme nous connaissons. Nous continuons à poser des questions, continuons à chercher des intellectuels criminels, prenez-vous la justice pour payer ça va faire. Pour nous, il y a deux choix. C'est soit vous assassinez, même gens qui ont assassiné le président Jovenel Moïse, c'est soit vous quittez l'enquête là, pour y venir en bout. On a écouté le Premier ministre ici pour ce bout de temps, Dr. Claude Joseph, qui a parlé sur l'enquête qu'a fait contre les assassinats qui fait sur le président de la République, Jovenel Moïse. Sur le président PHTK, Liné Balthazar, dénoncé l'assassinat du président Jovenel Moïse. Non, M. Balthazar fait qu'on est toujours sous choc après l'assassinat qui fait contre le président. Dans le mois, ça a représenté un signal clair pour montrer gros faiblesse qui gagne dans l'État. Il parlait également de nécessité pour toute lumière qui fait sous l'assassinat tragique, ça. Et puis tout, pour mon qui commet crime, il est capable d'identifier et puis recevoir condamnation que vous méritez. M. Balthazar a estimé que la police nationale pays d'Haïti dispose à ces éléments, n'a même qui pour permettre d'identifier et puis arrêter auteur intellectuel crime ça. Liné Balthazar. Nous pensons que l'assassinat du président Jovenel Moïse, un président en fonction, en résidence privée, c'est un choc personnel pour moi, parce que quelques heures avant sa mort, moi j'étais avec lui en réunion de travail pendant presque 3 heures de temps. C'est un autre choc pour moi comme citoyen et père de famille, parce que son famille qui brisait et nous continuons à bien en penser pour madame, la première dame Martine Moïse, qui encore et a pris soin suite à acte d'assassinat, ça, et sa famille, ses enfants. Et puis, c'est un choc aussi pour nous-mêmes comme responsables politiques parce que assassiner un président en Haïti, dans condition où fait là, nous pas une tradition, ça. La preuve, c'est que pendant les 35 dernières années, nous fait coup d'état de 1987 à 1991, coup d'état militaire, nous pas jamais tué président, nous plus une tradition, voyez président aller. Donc, pour classe politique, là, pour responsable politique, pour monde qui vient pour mission de participer aux élections, pour nous alimenter appareil d'État en personnel politique, que ce soit qui élu ou bien que ce soit qui nommé, l'en mort président Jovenel Moïse, là, voyons signal dans nous, une grande défaillance à la tête de l'État, et surtout, il fait nous comprendre que jeudi, à son président PHTK qui est mort, en condition de mourir, demain, ça peut être le sort de n'importe quel autre président qui élu son autre bannière politique. Donc, on nécessité pour nous, comme responsables politiques, pour nous pousser et assurer nous que ça élucidé, cet assassinat soit élucidé et qu'il y ait identifié les auteurs intellectuels de ce crime pour que nous-mêmes, comme responsables politiques, nous sentions en sécurité. Sinon, si nous ne faisons pas ça, n'apprend aucun de nous, comme responsables politiques, qui a été président, sénateur, député, magistrat, à la tête de l'État, qui a ensuite, nous ne savons pas jamais en sécurité parce que nous qui décide de mettre fin à la vie du président Jovenel Moïse, la Kailia, c'est des gens qui sont au plus puissant de l'État et montrer au plus puissant de l'État. Nous n'avons pas gagné plus information que ça que instance policière et autorité policière et autorité judiciaire pays d'Haïti dit sous sa capette là. Nous tout simplement prend acte du fait que y a moun qui fait zak la la main yo, j'ai yo dit moun qui exécute le président Jovenel, nous gen moun qui exécute qui participe à un citoyen autre, la exécution, la planification et la exécution projet d'assassinat. Y a une assistance internationale qui commençait à fournir des informations sous des déplacements des mouns
implication des mondes. Nous croyons que la police nationale, avec assistance internationale, a assez d'éléments là même actuellement pour y remonter le plus près possible de l'auteur intellectuel de ce crime. Mobile Jacques Salka, n'importe quoi, il y a mobile politique, il y a mobile économique, il y a n'importe quoi. C'est encore une fois, nous préférons quitter le soin à la police, yo, même sous base, monde qui ont intercepté, monde qui l'emmène, et monde qui ont des déclarations qui ont commencé à recueillir, que monde qui dit, c'est yo, que, par exemple, monde qui était prêt à avion, monde qui t'a loué machine pour bailler assaillant, monde qui était impliqué, toute une série de logistiques, de préparation et d'exécution, c'est monde ça qui a dit qu'il mobile, yo, t'es gagné. On a écouté le président parti politique PHTK, parti haïtien tête calé, Liné Balthazar, qui plus loin prononcer en faveur une application protocole entente qui était signé dans le niveau parti, avec diverses formations politiques dans l'opposition. D'après le protocole, ça, président Sénat République, tiré Sénat Joseph Lambert, a dû remplacer ancien président de fin Jovenel Moïse dans la présidence, là, alors que Dr. Ariel Henry est capable d'être occupé poste premier ministre, parce que le président a été choisi. Pour M. Balthazar, le pays a besoin d'un gouvernement, légitime, le gouvernement qui est là pour qui c'est pas gouvernement qui est là quoi il est là gouvernement que Joseph là pas un gouvernement qui est légitime toujours d'après parole le président parti politique tête caléen Liné Balthazar. Coordonnateur général OPL, l'organisation Peuple Cap Lutté, hein, M. Edgar Leblanc fils, a dit qu'il était chargé sous façon enquête sur les assassinats. Le président républicain Jovenel Moïse a déroulé, il fait qu'on ait justifié, préoccupation li, côté gagné en pile, regardé dans la police nationale pays d'Haïti, hein, qui visait dans une série de déclarations qu'a fait dans le cadre dossier ça. Ancien président Sénat républicain, M. Edgar Leblanc fils, a dit la prétendue institution compétente, yo, parmi eux, paquet avec des pour responsabilité, il a agi avec professionnalisme pendant l'estime tout, inquiétude quant à l'avenir pays d'Haïti sous plan sécuritaire. Edgar Leblanc. Le non-OPL, nous, l'histoire a stipulé que nous pensons que c'est un trac, nous sommes un petit peu indignés. Indignés du fait que nous n'avons pas participé dans la démarche okay, qui était conduite au protocole d'entente. Et nous t'ai fait, nos amis de la diapole connaissent que nous pas à l'aise dans la démarche ça. D'accord? Aussi, donc, pour pacifier le protocole d'entente là. Lorsque maintenant nous voyons que gagnant une liste qui a circulé, disant que c'est à la liste de formation du gouvernement de premier ministre, mais non, nous gagnons les gangs armés qui représentent un gros danger, mais qui, d'ailleurs, a pris sur le vif, campé là, ou pas qu'on connaît qui ça qui pourrait le faire, même si eux-mêmes, tout le monde pensait comprendre que la situation est très compliquée, très grave pour l'hôpital était. Au tempo, maintenant, la police nationale, quand même, Dadoula, c'est lui-même, malgré tout ça qu'il y a comme problème en une faiblesse, qui était là comme celle force de la puissance publique. Dans le cas assassinat, ça, eh bien, est gradé de la police nationale à la vie touchée. Premièrement, comme disait le premier ministre Jout, le premier des policiers, le président du conseil supérieur, ok, CSPN, police nationale, indexé là, a cité Jean-Fichias Caracol, avec des éléments vraiment qui montraient que enquête qui est en cours là, allait vers le premier ministre AI, qui, je ne veux dire là, c'est lui-même qui est aux commandes des affaires. Deuxièmement, le chef de la garde présidentielle, je dirais, du SGPN, ok, est aux arrêts maintenant. Donc, est-ce que ça peut monter encore un peu plus haut? Lorsque là, jusqu'à la police nationale, la seule force publique opérationnelle, est-ce que Kounela le papa saute? De nature optimiste, c'est comme si vous êtes en train de dire, mais écoute, au chambardement qu'a fait là pour que le nouveau soit capable de sortir, capable de paraître. Le premier ministre a c'est-à-dire, remarquez que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de déclaration. Ok? Vous écoutez, dirigeant OPL, Edgar Leblanc fils, qui est plus loin, qui s'est même bloqué OPL, c'est même direction politique opposition démocratique là, et Zilpod qui qualifié comme trac liste membre qui t'a sorti dans le cabinet premier ministre nommé Ariel Henry, qui a circulé sur les réseaux sociaux yo, avec l'autre moyen, yo, c'est un Zak malhonnête, coordonnateur général de la partie OPL, Edgar Leblanc fils, qu'on est OPL n'a pas concerné la question, liste là parce qu'il n'y pas partagé démarche. Premier ministre nommé Ariel Henry t'a fait sous question ça.
dans le dossier enquête sur l'assassinat du président de la République. Là, il y a un ancien sénateur opposition, François Denius, qui s'est allié divers travail, qui veut commencer à faire dans le cadre enquête ça, sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là, cependant, il dénonce l'invitation qu'il a faite avant l'air, dans le niveau paquet de presse, là, dans le cadre assassinat de Jovenel Moïse. Là, François Denius. Premier temps, nous voulons faire, c'est condamner l'assassinat, qui c'est un crime vraiment crapuleux. Présenter sympathie, nous, bah, toute famille, amis et famille politique, président Jovenel Moïse. Nous, capables de nous apprécier l'évolution qu'a fait là, dossier, l'enquête sur l'assassinat. Dans ce sens que, il y a deux mondes qui arrêté, il y a deux mondes qui auditionné, il y a des révélations qu'a fait de temps à autre. Et nous pensons que c'est de bon avancement que oui, mais quelque part, et nous dénoncer tout, et démagogie qui a fait tout en forme d'invitation que le commissaire du gouvernement a fait et passé par là à des leaders politiques seulement sous base position politique ou bien position qu'on prend dans le discours. Donc moi pense que ça capable justement empêcher que enquête là qui aboutit côté pour l'aboutir si forme de rentrée ça yo a fait en dans dossier. Donc moi même penser que c'est quitter des CPJ et continuer faire travail li avec tout expert international pour remonter toute filière qui menait à assassinat de telle sorte que peuple haïtien ka connaît exactement ça qui s'est passé le jour mercredi 7 juillet ça. Moi même moi penser que toute pission c'est pour autorité policière yo par la suite autorité judiciaire yo explorer yo garder et qui ça oui me penser que pas gain rien pour nous rejeter au départ l'enquête ça parce que président Jovenel ça capable briver il était gain pouvoir même s'il était de facto donc ça t'a capable briver gain deux monde qui t'a prend pouvoir et la point rien qui dit assassinat baka politique président Jovenel te gagné de laisser frapper le tap fait avec deux monde qui gain l'argent. Donc, il est capable économique, même qu'on est au président Jovenel, il y a une quantité de monde qui ont un bon côté, le monde qui a fait trafic d'âme, le monde qui était dans le trafic de drogue, le monde qui était dans toute sorte de trafic. Donc, la mafia, c'est qu'on doit la mafia qui peut l'aller. Donc, toute piste, que ce soit une piste politique, que ce soit cette piste intérêt économique, que ce soit une piste drogue, trafic d'âme, bagaille qui passe, je pense que toute piste, ça, il faut que l'explorer et l'ensemble ça. Je pense que si il y a des révélations qui fait, et que ce soit à l'étranger en Haïti, maintenant, il est du devoir de la DCPJ de garder Pissau et remonter à Mounsaou. Bien de bagarre, la police gon puisse la suivre, les commencer à arrêter Mounio dit qui c'est hauteur matériel, yo. Et puis maintenant, la remonter à hauteur intellectuel, yo. Alors, ce que si bien comprenne, journal là fait révélation de Moun qui pas nécessairement et là, mais des CPJ fait des révélations sur des rencontres qui étaient faites à des moments bien déterminés et de Moun qui là, qui pas arrêté, mais qui t'a parlé, qui t'a dit et certaines choses, mais comme c'est une enquête, il y a la police colombienne qui souligne, il y a FBI qui souligne, il y a la police haïtienne. Maintenant, je pense que c'est là où confronté, tout ça rejoint et tout côté de tout socio finalement, ça ira à la lumière. Donc, moi-même, moi pense que c'est l'autorité qui pour continuer à faire travail, mais surtout pour ne pas négliger et aucune piste pour être capable de remonter à hauteur matérielle et intellectuelle des actes. Qui comprend tête dominée actualité dans le journal là, environ 189 568 candidats pour participer dans l'examen officiel 9e année fondamentale. Sorti journal lundi 19 là pour arriver 21 juillet 2021, Kabila, Mars et Unif. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec la chaîne là et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.